Mettre les écouteurs pour la traduction avant de commencer cette, cette session avec une série de présentations. Cette session qui, qui est sur euh, le suivi de l'utilisation des évidences pour l'amélioration de, de l'hygiène et de l'assainissement. Alors, si vous êtes prêts, si tout le monde est assis, on va, on va commencer dans cette session. Il faut dire au dès début, le au début départ que la session a été écourtée euh, euh, parce qu'il y a eu des retards au niveau de l'organisation. Maintenant, on avait droit à une heure et demie. On va euh, faire la session en une heure. Donc, ça va euh, avoir les, des effets sur les présentations que nous avions. Mais on a fait le nécessaire pour que euh, les discussions, les, le panel, que, euh, que le, le, le temps imparti aux discussions au panel soit le plus euh, large possible. Et c'est les présentations qui vont souffrir le plus de ce temps euh, qui a été euh, coupé. Donc, euh, pour commencer, euh, comme vous le savez tous, euh, avoir des évidences et faire le suivi euh, sur les indicateurs, notamment en assainissement, a toujours été euh, le parent pauvre un tout petit peu de nos programmes dans, dans les pays euh, que nous, où nous travaillons. Et euh, il y a une prise de conscience par rapport à ce phénomène depuis un certain temps. Ce qui fait qu'il euh, y a des initiatives qui sont prises au fur et à mesure que le temps passe pour y remédier et pallier à, à cette situation-là. Et ça rentre cette session que nous allons avoir euh, au cours de toute cette semaine rentre dans cette même logique de s'assurer que nous faisons un suivi de ce que nous mettons en œuvre, notamment dans le secteur de l'assainissement, et qu'il y a des évidences qui sont levées au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça, on, on est vraiment sur le bon chemin euh, par rapport à, à cela. Et euh, nous espérons euh, qu'il y aura une grande, grande contribution dans, dans, dans les débats euh, que nous allons avoir suite à après les, les présentations. Et nous espérons donc euh, qu'on aura à, à, pour cela amélioré un tout petit peu notre compréhension et aussi les méthodes de, de collecte euh, des données et d'assurance qualité des données que nous, euh, que, nous, que nous avons. On va aussi essayer de, de, de s'assurer que nous avons développé, discuté largement des idées assez claires et constructives pour euh, les plans d'action que nous avons. Certains pays, d'ailleurs, ont des plans d'action chiffrés pour la mise en œuvre effectivement, de ce, de, de, de ce suivi euh, des, des données. Et aussi, on va explorer, quelque part, les, les partenariats qui sont à notre portée, et, et, et notamment les partenariats avec les institutions de financement et euh, le, le, le service... Euh, le, euh, le, le secteur privé. Le secteur privé. Pour, pour, pour pérenniser un tout petit peu nos actions. Parce qu'on ne peut pas passer à l'échelle si nous n'avons pas toutes ces, euh, toutes, toutes ces, ces forces autour de, de nous. Et là, pour cette session en particulier qui, euh, qui, euh, suit, qui va au niveau du suivi de ce que nous faisons et de, 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 de la documentation des évidences dans euh, le domaine euh, de l'assainissement, nous allons avoir euh, trois jours en réalité. Ça, c'est juste une session de toute la série. La série dure trois jours et nous avons deux, deux sessions par jour. On commence par cette session aujourd'hui, il y en a une euh, cet après-midi, on en a une encore mardi, deux mardis et deux le jeudi. Celles d'aujourd'hui et de demain, ce sera dans cette même salle, et alors que les deux de jeudi seront dans la salle de 4 4 Je pense que c'est juste au-dessus. Donc je vous invite vraiment à, à venir participer à ces sessions-là pour nous assurer qu'effectivement nous avons une large diffusion possible. Des, des expériences, nous avons discuté largement et nous, nous pouvons euh, appliquer effectivement ce que nous apprenons des autres pays dans, dans, dans ce que nous euh, faisons euh, ici. Donc pour cette session, je vous dis qu'il y en aura trois. Pour celle-ci, nous avons euh, trois présentations que nous allons suivre euh, euh, tout à l'heure. Et euh, cette présentation, ces trois présentations vont être euh, données par euh, M. Euh, Kajo Yao ici, qui est euh, notre... Spécialiste euh, au hygiène assainissement au bureau régional euh, de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar. Nous aurons aussi une, une deuxième présentation qui sera euh, donnée, euh, j'espère qu'elle sera là, par euh, le directeur de l'assainissement, M. Euh, Ahmed Ouedade, directeur de l'assainissement de la Mauritanie, qui aura une présentation qui nous, qui nous montrera un peu le cas de la Mauritanie, comment est-ce qu'ils arrivent à faire le monitoring euh, des données de l'assainissement, de base au niveau rural. Et ce sera très très intéressant, parce que nous avons dans nos pays une très grande, grande part rurale. Et nous allons finir par notre collègue de, de, de l'Ouganda, un très beau pays, Trina kiyomugisha, qui va, elle, nous parler de l'expérience de, de l'Ouganda dans un pilote pour monitorer l'indicateur 6.2 des objectifs millénaires pour le, le développement. Voilà, donc c'est en gros comme ça que nous allons euh, euh, réaliser donc cette, euh, cette session que nous avons aujourd'hui. Et, et je vous le rappelle, nous en avons deux autres qui vont suivre demain et après-demain. Et nous comptons vraiment que vous allez vous, vous avoir parmi nous pour, pour faire avancer donc, cette, cet élément de, de, de suivi et d'évaluation de nos programmes. Encore une fois, un maillon faible un tout petit peu de, de ce que nous, nous, nous faisons dans le secteur de l'assainissement. Voilà, nous, avons, nous avons très peu de temps, donc euh, on va passer euh, directement à, aux présentations. Nous en avons trois, comme j'ai dit, et vont être très, très écourtées avec une petite cinq minutes maximum de questions d'éclaircissement après la présentation. Et étant entendu que nous voulons garder le plus, le, 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 le plus de temps possible pour les discussions que nous aurons avec un panel que nous avons qui est très riche, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et qui pourra donc faire avancer pour nous et pour les pays que nous, que nous servons la cause de l'assainissement. Euh, sans plus tarder, je vais demander à M. Kajo Yao, spécialiste euh, de l'eau hygiène assainissement au bureau régional de l'UNICEF à Dakar, pour euh, sa présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robin. Madame et Messieurs, bonjour. Je vais euh, en quelques mots vous présenter euh, l'expérience que nous avons euh, menée au niveau du bureau régional dans dix pays pour euh, euh, la, le, le diagnostic du euh, suivi, du système de suivi euh, en matière d'eau, d'assainissement de et plus spécifiquement de l'assainissement, euh, suivi par euh, un plan d'action chiffré et euh, le développement des outils euh, en ligne pour euh, faire ce, ce suivi-là. Donc le, le, le programme en question s'appelle Country-led Monitoring, Sanitation Goals, and uh, uh, Commitment in Wacaro Countries. Euh, donc la présentation est en, en anglais, mais je vais, je vais, je vais le faire donc, rapidement. Le, le plan se présente comme suit, en 10 points, mais je ne vais pas les, les parcourir, je ne vais pas donner tous les détails. Le contest. Next, please. Oh, sorry. OK, donc le, le plan se présente comme si. Je vais rapidement euh, le parcourir, je ne vais pas donner tous les détails. Le, le contest, euh, c'est que dans notre région, au niveau de 24 pays que nous couvrons, 24 pays que euh, la, la région de l'Ouest euh, et Centrale couvre, euh, à peu près 260 millions de personnes qui vivent dans un milieu rural avec un accès très limité de 19% en assainissement et de 16% en matière d'accès à, à l'hygiène. Il y a aussi euh, les services, euh, les niveaux de services d'assainissement et d'hygiène sont. En retard par rapport aux EDD, donc les nouveaux enjeux des EDD, d'où la nécessité de mettre en place euh, des systèmes plus robustes pour pouvoir monitorer. Il ne s'agit pas de monitorer seulement les, les infrastructures, mais les services, l'accès aux services et les services, euh, euh, le safety managed euh, sanitation. Donc il faut euh, mettre en place pour pouvoir monitorer comment les populations accèdent à ce service. Il y a, il y a aussi. Euh, la nécessité de tenir compte d'un certain nombre d'engagements au niveau euh, international et euh, au niveau euh, sous-régional, tels que le SWA et euh, euh, AMCA ongor Commitment. Donc, pour pouvoir euh, euh, relever ce défi, euh, nous avons mis en œuvre ce programme euh, intitulé Renforcement des systèmes nationaux de suivi et d'évaluation. Des variations dans dix pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour euh, relever ce défi, l'UNICEF, en collaboration avec ces dix pays, et euh, euh, avec le financement des, des Pays-Bas et de euh, DIFID, de, euh, de des ressources financières ont été allouées à ce programme multi-pays et euh, multi-partenaires. Donc, la mise en œuvre a été effectuée par UNICEF euh, avec le concours de IRC et AGVO. Euh, L'objectif de ce programme c'était de renforcer le, le développement du secteur, du secteur de l'eau, y compris le plan de suivi chiffré, et de renforcer le renforcement institutionnel et le renforcement des capacités. Et le dernier, euh, euh, la dernière composante de ce programme, c'est de développer et mettre en œuvre des outils de suivi et de variation en matière d'eau. Alors, je ne vais plus revenir sur les objectifs de, de ce programme-là, c'est de renforcer le suivi des services au niveau national et au niveau euh, local. Comment À travers une évaluation des systèmes de suivi et le renforcement des capacités. Euh, à l'aide des outils améliorés, des outils euh, online open source, évolu évolutifs, pour la collecte de données et le suivi de l'eau et de, de, de l'assainissement. Les résultats attendus, c'est la prise de décision basée sur les données et pour, qui améliorera la gestion des services et des infrastructures WASH, tels que les points d'eau, l'assainissement, etc. Donc, c'est un processus euh, participatif que nous avons euh, mené. Donc pour évaluer le système, un cadre d'organisation, un cadre d'organisation euh, fonctionnel a été euh, euh, con con conçu et élaboré pour l'utilisation par les pays eux-mêmes. Donc c'est un cadre une base d'outils de renforcement du système national qui a été remplie par les structures chargées de l'eau-assainissement dans, dans, dans ce pays. Donc, le cadre comporte 12 composantes euh, principales. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Il s'agit de ces 12 composantes ont été regroupées dans trois euh, groupes majeurs. L'environnement favorable le suivi évaluation et euh, l'utilisation des, des données. Quels sont les, les, principaux, les principaux résultats obtenus au cours, euh, à la suite de la mise en œuvre de ce programme donc des, des problèmes ont été identifiés lors de l'évaluation, de, de suivi évaluation, donc basé sur les trois secteurs dont j'ai fait mention tout à l'heure. Et euh, euh, ce que je vais vous présenter à la suite euh, tout à l'heure, c'est les résultats obtenus dans trois pays euh, principalement le Bénin, le Mali qui ont eu, et, et la Mauritanie, qui ont suivi tout le processus d'évaluation, de validation de, de, de différents rapports. Donc, les trois pays disposent, ces trois pays-là disposent de systèmes d'information institutionnels relativement bien développés et des rapports et, des, et la dissémination des données de suivi d'évaluation au niveau national et euh, un, un local par rapport à d'autres pays où les systèmes d'information institutionnels sont encore stade initial. La majorité des problèmes qui ont été identifiés dans ce pays sont à peu près similaires aux, aux, aux sept autres. Donc, donc le, concernant l'environnement favorable, je vais citer PML, ce qui a été euh, différent aux États, c'est qu'il n'y a pas de, leadership, pas de leadership dans la coordination euh, du secteur au niveau du suivi et de évaluation. Ensuite, donc, il a été proposé en face quelles sont les recommandations que nous avons formulées pour pouvoir lever les différents euh, gourous qui ont été euh, identifiés. Donc, les mandats des institutions et des de services ne sont pas bien définis, donc non, pas cohérents, pas assez de personnel pour le suivi et l'évaluation. Il euh, n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de cadre de, de suivi sectoriel courant et opérationnel. Concernant le suivi et l'évaluation, les ressources financières sont très limitées dans ce pays. Les ressources humaines également insuffisantes. Okay. Les ressources, les systèmes d'information WASH ne sont pas bien organisés de façon cohérente. Et les bases de données n'existent pratiquement pas, pas, donc il n'y a pas de recherche euh, et évaluation des projets également. Concernant la troisième composante euh, principale, c'est-à-dire euh, la perspicacité et l'utilisation des données, euh, pas de diffusion des résultats. De suivi et évaluation, pas de répertoire national, etc. En, en somme, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été relevés et donc euh, euh, des, des solutions ont été proposées. Et suite à cela, euh, un plan d'action a été élaboré, un plan d'action chiffré pour pouvoir euh, répondre aux au, au, au défis ont été euh, relevés avec en face euh, les recommandations. Ok, conclusion. Conclusion, euh, nous avons ici les le plans d'action des pays, des, les, les, euh, en fait c'est les dix pays. Et euh, vous voyez ici les... La couleur bleue, c'est l'environnement favorable. La couleur rouge, c'est l'utilisation le, 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 des données. Donc, certains pays, il y a une certaine de, de disparité entre ce, ce travail qui a été fait. Certains pays ont touché essentiellement l'environnement le, favorable. D'autres ont touché les trois, mais à des proportions euh, différentes. Donc, ici, vous avez... Les coûts des, des plans d'action sur euh, cinq ans. Mais il y a aussi eu des disparités entre euh, ce que chaque, les pays ont fait. C'était un pays des programmes de cinq ans, de trois ans, donc la, la comparaison était un peu euh, difficile à faire. Donc ce que nous avons fait, c'est de calculer le coût, par exemple, de, mettre, de la mise en place d'un système de suivi et évaluation pour, euh, par personne. Dans le secteur de l'assainissement, dans le secteur de l'eau. Donc, vous voyez que euh, la première année, en général, le coût est le plus élevé, et vers la fin, de la, de, de, vers la cinquième année, le coût euh, est, est réduit. Et le coût moyen pour euh, la mise en place par personne d'un système de suivi et évaluation s'élève autour de 6 cents, 8 cents, avec une, une, une avec euh, une, une différence d'un pays à un autre selon ce que les pays ont, ont ciblé. D'autres ont ciblé tout le secteur. Euh, certains ont ciblé seulement le secteur d'assainissement ou bien de l'eau. Quelles sont les, les leçons apprises Il euh, y a le leadership du gouvernement euh, qu'il faut euh, relever. Il y a aussi, euh, les institutions participantes avaient besoin de, de préparation. Il fallait préparer, renforcer les capacités de ces institutions pour pouvoir conduire euh, cette étude. Et la méthodologie proposée avec nos partenaires a été jugée très utile et euh, a permis de faire cette, cette évaluation et ce plan d'action. Les orientations et les outils, ainsi qu'une euh, forte facilitation. Les partenaires techniques. Quels sont les défis qui restent encore Il y a la différence dans la mise en œuvre de ce que nous avons constaté. Dans la mise en œuvre du programme, nous avons constaté qu'il y a eu une divergence entre mise en œuvre. Ils n'ont pas adopté les mêmes, les mêmes, le même processus qui avait été euh, préalablement arrêté. Chaque pays a. Les différentes institutions principales et un objectif différent. Donc, il y avait des objectifs des pays qui étaient un peu différents d'un pays à un autre. Donc, pour la mise en œuvre de ce plan, les pays sont à des différents stades. Certains sont au stade de la validation du plan d'action d'autres ont déjà validé et certains ont commencé à mobiliser les ressources et à même à élaborer les différents outils outils pour la collecte de, de l'information et la mise en œuvre des systèmes de suivi et évaluation dans le pays. Quelles sont les recommandations? Je suis à, à la fin une, du une programme. Une minute pour, pour, pour cette partie-ci, s'il vous plaît. Une minute. OK, une minute, j'ai terminé. Quelles sont les différentes recommandations? Euh, les recommandations qui ont été proposées, c'est s'assurer que les parties prenantes National et sous-national euh, participent effectivement, ainsi que la société civile participe à tout ce processus, parce qu'il faut que c'est un processus participatif et il faut euh, les, les leaders, les responsables des structures pour que euh, l'analyse la, soit bien menée. Il y a aussi euh, la, les outils utilisés sont assez adaptables. Donc, c'est une des recommandations. Donc, on peut utiliser ces outils, mais pas seulement au niveau de WASH ou de l'assainissement, mais on peut l'utiliser dans d'autres domaines, tels que la santé, pour tout ce qui concerne la, la gouvernance. Et troisième recommandation, c'est euh, pour évaluer les plans nationaux de suivi et évaluation avec une meilleure compréhension de la base euh, des de dépenses historiques. Il faut connaître. Euh, ce que nous avons, euh, le problème qui a été euh, relevé, c'est que à la, à la suite du plan d'action, les coûts euh, euh, variaient d'un pays à l'autre et il nous semblait exorbitant. Donc, euh, il nous semble nécessaire qu'avant euh, de faire cette étude, on puisse avoir au moins une base de données pour savoir euh, quelle, la référence, euh, une référentielle pour pouvoir comparer si le coût euh, obtenu est euh, jugé euh, Acceptable ou, ou pas. Quelles sont les étapes euh, futures C'est euh, la validation pour certains pays de ce plan d'action qui a été développé et la mise en œuvre également pour certains. Et euh, certains pays ont pr promettent d'étirer des, des enseignements de la mise en œuvre de, de, de ce cadre et de la diffusion des données, ce qui va nous permettre dans l'avenir de, 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 de nous de nous appuyer sur euh, ce, ce qui a été euh, le travail qui sera mené par les pays pendant la mise en œuvre. Okay, le dernier point concernant les étapes suivantes, c'est les besoins de financement. Est ce que les pays euh, vont investir dans euh, la mise en œuvre de ce plan d'action? Donc c'est la question que nous vous posons. Donc, merci beaucoup. Oui, euh, merci beaucoup, Kadjo, pour cette excellente présentation. Euh, je suis désolé, le temps imparti étant très, très court, franchement, ça ne rend pas grâce au, à tout le travail qu'il y a derrière, mais c'est un travail énorme qui a été fait. Et euh, vous aurez effectivement plus de détails sur la présentation, la présentation elle-même, les, 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 euh, quand, quand vous retournerez chez vous, on, on peut vous envoyer ces, ces, ces liens-là. Merci beaucoup, donc, pour ça. Est-ce qu'il y aurait des questions de clarification euh, seulement, parce qu'on a très peu de temps. On, on a euh, deux minutes pour quelques questions de clarification avant de passer à la prochaine euh, présentation. Oui, euh, nous avons euh, là, monsieur, vous dites euh, votre dans votre congrégation et vous posez la question. Merci. Ok, merci aux présentateurs pour la clarté de la présentation. Moi, c'est Saada Traoré, je viens du Mali. De Care International en Mali sur le projet USAID nutrition hygiène ma question c'est de comprendre est-ce que eh, l'outil qu'ils ont utilisé ça a été appliqué de façon exhaustive sur euh, les points d'eau ou bien c'était un échantillon où ils ont appliqué l'outil par rapport à la collecte des données merci beaucoup, on va prendre une deuxième question avant de donner la parole à Kadiou pour répondre de, deuxième et dernière question euh, merci, c'est Salami Fataou de l'UNICEF Togo. En tout cas, j'apprécie très bien tout ce qui a été fait. Je crois que c'est un besoin, pas seulement de ces 10 pays, pour pouvoir faire une analyse globale de, pour toute la sous-région. Alors, je voulais demander au bureau régional qu'est-ce qui va être fait pour accompagner les autres pour les mêmes, dans les mêmes dynamiques. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est une question pour moi-même. Oui. <laughs> ok, je vais laisser d'abord Kadio commencer et je répondrai. Ok, merci beaucoup pour ces deux questions très pertinentes. La, la première voudrait savoir si nous avons appliqué l'outil euh, au niveau national euh, ou euh, sur un échantillon. Euh, en fait, dans un pays, nous avons demandé au pays de, de choisir un domaine dans lequel il souhaiterait que nous fassions l'analyse approfondie du, du système de suivi et de variation. Donc, certains, euh, ont, euh, ont choisi, on peut le faire ce choix de façon euh, catégorique. D'autres aussi, on, 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 pour des raisons euh, euh, que je ne peux pas évoquer, ont choisi euh, deux domaines l'eau et l'assainissement. Donc, l'analyse a été conduite, euh, mais pour le niveau national. Si on choisit le domaine de l'assainissement, c'est au niveau national quel système faut, euh, à mettre en place pour que euh, on puisse faire le suivi des indicateurs au niveau de l'assainissement. Donc, le travail a été fait pour un, un thème, mais qui, qui se euh, rapporte au niveau national. Euh, la question de, de M. Salami, euh, je crois que je vais laisser le soin à, à Ruben Roponde. Oui. oui, je vais prendre cette question. Euh, D'abord, je m'excuse, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Euh, au début, je suis Ruben Mbahiha. Je suis le, le conseiller régional au Hygiène -assainissement pour la, pour et Assemblissement pour l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà, donc pour reprendre la question qui n'était vraiment pas celle de C.A. Cadio, c'est effectivement au niveau du bureau régional de l'UNICEF, c'est des, des approches que nous, que, nous, euh, que, que nous demandons au pays de, de mettre en œuvre. Et aussi, en fait, on, on, on a cet exemple qui est déjà mis en œuvre, ce qui fait qu'on génère des évidences pour montrer que, qu'effectivement cela marche et qu'on peut effectivement aller dans ce sens-là. Mais de façon ultime, ce que nous recherchons, c'est que ces systèmes-là soient appropriés par les gouvernements. Et que ces gouvernements-là ensuite suivent. Parce qu'en fait, on ne peut pas seulement leur dire que ça marche sans leur montrer des évidences en disant voilà, ça a marché, on l'a on, on mis en œuvre, ça a marché. Maintenant, on, on vous apporte cette, cette, cette connaissance-là. Maintenant, à vous de l'apprendre et de, de faire plus. Enfin, en fait, c'est dans ce sens-là que nous allons agir et nous continuerons à agir dans ce sens-là. Merci beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup, Kajo, pour cette excellente présentation. Je pense que ça mérite une, une phase d'applaudissement pour Kajo. Voilà. Maintenant, euh, nous allons passer à la deuxième présentation qui nous euh, sera présentée par euh, notre euh, collègue de Mauritanie, donc, qui va euh, certainement nous parler du système euh, de comment la Mauritanie gère euh, l'assainissement euh, rural et comment on analyse euh, les données. Donc, et ça, ce sera fait par euh, notre collègue euh, Ahmed Wedadi qui est le directeur de l'assainissement au niveau de la Mauritanie. Bonjour, chers collègues. Euh, je suis Ahmed Oudadi, directeur de l'assainissement de la Mauritanie. Je vous présente... Euh, le système de suivi et variation tel que nous l'avons adopté pour euh, l'assainissement rural euh, en Mauritanie. Donc, euh, d'abord, avant de, de le présenter brièvement, parce que bon, le temps apparemment ne permet pas d'installer de, sur des explications sur le, sur le fonctionnement du système et sur le, comment on, on fait l'alimentation, le, les autres défis, mais je vais présenter quelques slides seulement pour euh, un peu vous donner une idée de ce que ça, ça représente en tant que système qui est fonctionne depuis euh, quatre années chez nous. Donc, euh, d'abord, euh, pour décrire un peu le, le contexte dans lequel euh, ce système a été mis en place, c'est que depuis 2009-2010, nous avons adopter l'approche ATPC dans les milieux ruraux et périurbains en quelque sorte. Mais ce système, cette approche et les activités telles que nous menons, nous n'avions pas un système de suivi et variation performant. Nous avions seulement des données qui sont collectées par les différentes directions régionales sur des feuilles externes et qui ne sont pas uniformisés. Donc, il euh, y a donc, euh, des insuffisances euh, en ce qui concerne des, des, la saisie des données, l'uniformisation des données, et puis les rapports qui, sont, qui sortent à, à la suite de, de chaque euh, période euh, telle que recommandée. Donc, euh, euh, en quelque sorte, nous n'avons pas une... Euh, une possibilité de renseigner des indicateurs de base et puis de façon à pouvoir mesurer les progrès, qui, qui, l'évolution les, les, et les progrès dans l'activité d'une façon générale. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons, avec l'appui de l'UNICEF, à travers l'UNICEF, contracté un financement de, du Pays-Bas. Ce financement, euh, c'est grâce à ce financement que nous avons pu mettre en place un, un système euh, avec euh, Aquaflow. Ce système, donc, est un système euh, un peu nouveau qui n'est pas un système classique parce qu'il euh, est basé sur, sur une collecte grâce au, au smartphone avec euh, bien sûr une base access qui est mise en place depuis 2015 euh, qui est alimentée euh, euh, grâce à ce système de, de, de aquaflow euh, comme j'ai dit ce système fonctionne avec euh, des téléphones des smartphones qui sont euh, qui sont euh, dans le euh, au, plus, au plus bas niveau, c'est-à-dire à partir des facilitateurs, des euh, coordinateurs, des services régionaux jusqu'au plus haut niveau qui collecte euh, et analysent ces données. Donc voilà schématiquement un peu ce que cela représente. Euh, c'est le terrain. On collecte, euh, la collecte se fait via les smartphones, par les facilitateurs, par les ONG qui, sont, euh, qui travaillent dans le, 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 la mise en œuvre. Et puis, et il y a une, un, un premier niveau d'assurance qualité qui est fait par les directions régionales. Et puis, au niveau central, euh, niveau central il y a la gestion d'intégration. La synchronisation et, et l'assurance la, la, qualité de toutes les données, euh, ceci se ce fait au niveau de la direction euh, centrale. Les, les rapports euh, de ce système sont, concernent essentiellement les projets euh, par projet, par structure de mise en œuvre, euh, et, euh, par la période de mise en œuvre, c'est-à-dire chaque année ou chaque trimestre, et par région on peut descendre jusqu'à commune. Bon, l'édition des données, elle se fait de cette façon. Bon, c'est un peu technique, mais vous voyez, c'est bon. Il y a, on comprend trois onglets, processus ATPC, outils de, de correction, indicateur. Mais c'est les deux éditions qui, qui sont permises actuellement, permis actuellement par euh, le, pro, le processus. Le <coughs> plus important c'est que euh, les indicateurs euh, ça permet euh, de, que les indicateurs sont pris en charge, plus en compte par chaque euh, synthèse, son. Euh, cela en ce qui concerne particulièrement la CPC, le niveau des villages Fdal. Les populations du euh, village c'est-à-dire le, 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 le nombre de populations, les ménages, les ménages avec latrines, le nombre de latrines construites, le nombre total de latrines, le nombre de, de latrines latrine améliorées et le nombre de DLM en place. Oui, mais ce n'est pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Type de données, on peut aussi avoir des types de données par projet. C'est un exemple, c'est un peu de... Par wilaya, vous avez par exemple une médaille qui s'appelle la Saba, vous avez toutes les données qui concernent. Le type, on peut avoir aussi des types de données par donne et, et des types de, de données par carte. Donc les enseignements tirés. Ce que nous avons tiré de, comme enseignement de ce système, c'est qu'il euh, faut d'abord la formation et le suivi des agents formés doit être renforcé au, au démarrage de l'utilisation des smartphones pour la collecte des données, mais aussi il faut qu'il y ait un suivi pour le renforcement des capacités au fur et à mesure. <coughs> que nous avons aussi euh, la possibilité, les indicateurs ODD peuvent être renseignés, notamment, pour la à l'air libre et l'accès élémentaire à, 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 à l'assainissement. Euh, les progrès euh, dans le sous-secteur de l'assainissement rural sont désormais mesurables. Le système est fédérateur et permet à tous les intervenants de partager leurs données. Mais, les limites du système, que bon. On a relevé certains systèmes depuis son fonctionnement qui sont, à notre avis, corrigibles. Les données relatives aux latrines publiques et institutionnelles ne sont pas pour l'instant intégrées dans le système, ce qui limite un peu les données collectées concernant l'assainissement rural et particulièrement en euh, ce qui concerne les latrines scolaires. Le système nécessite un bon débit de réseau Internet, ce qui n'est pas souvent le cas dans les localités les plus isolées. Nos recommandations, ce que bon, ben, on recommande à ce que ce système soit élargi, euh, c'est-à-dire c'est ce qui est le système qui alimente actuellement la, la Badam, euh, pour prendre en compte toutes les thématiques de l'assainissement euh, d'une façon globale et en particulier l'assainissement rural. C'est aussi de nous recommandons de renforcer les capacités des équipes de, de mise en œuvre, que ce soit au niveau régional ou au niveau central pour l'utilisation du système. Donc euh, en tout cas, je vous remercie. Je pense que j'étais dans le temps limité. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Edali, pour cette présentation. Vous étiez dans les temps et euh, je vous remercie pour ça. Et euh, voilà, donc vous, vous avez suivi, c'est vraiment un exemple euh, à suivre, peut-être dans les zones rurales, parce qu'on sait très bien, quand on. Euh, L'assainissement en zone rurale le, et le suivi, ça ne va pas toujours euh, ensemble quoi, dans, nos, dans nos pays. Mais, là, on a un, un exemple qui est, qui est concret où on a utilisé des, des, des outils. Il y a peut-être des choses à améliorer, mais au moins il y a quelque chose qui est, qui est là que vous pouvez prendre chez vous et aussi euh, le faire euh, à votre, euh, pour, vous, pour, pour le bien de votre propre pays. Nous avons, comme tout à l'heure, euh, droit à trois minutes pour les questions-réponses. On a toujours euh, monsieur là -bas. On prendra peut-être une deuxième question ensuite et on donnera la parole à monsieur Védale pour répondre. Merci. Merci, euh, le modérateur. Merci au présentateur pour la qualité. Je m'excuse, hein, je suis très passionné par rapport à cet outil. En fait, ils ont posé une question au démarrage. Le défi, c'était le fait que pour l'enregistrement des données dans la base, ils avaient un défi, il y avait des difficultés pour enregistrer. Donc, ils sont allés avec l'outil ACFO, avec les tablettes pour enregistrer. Est-ce que avec ça, le défi par rapport au, au niveau d'enregistrement des données, est-ce que ça a été résolu La deuxième question, quel est le système qu'ils mettent en place pour valider les données avant de le transmettre, parce qu'il avait parlé de la direction eh, régionale qui valide. Concrètement, comment ça se fait Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Une dernière question avant de passer la parole, là, monsieur. Vous présentez ensuite la question. Merci bien. Moi, c'est Wali Mpabou. Je viens du Burkina Faso. Euh, en tout cas, je remercie monsieur... Euh, Monsieur Ahmed, pour la clarté de sa présentation, j'ai juste quelques questions là, trois questions. La première, c'est euh, au niveau des engagements, des enseignements tirés, il dit que les progrès sont mesurables, mais il ne dit pas comment, euh, comment quel outil a été adopté pour mesurer vraiment ce progrès là. Donc euh, je voudrais qu'il revienne un peu là-dessus. Aussi le taux de succès en matière d'ATPC. Est-ce qu'on peut juste avoir une idée de, du taux de, de succès en matière d'ATPC, en tout cas en, en, au niveau de la Mauritanie? Et la dernière question, c'est, euh, il a parlé d'un certain nombre de villages fédales. Mais malheureusement, je n'ai pas vu apparaître le nombre de villages certifiés. Est-ce a une, euh, voilà, qu'on peut avoir une idée du nombre de villages certifiés au stade actuel Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Védadi, comme on pouvait s'y attendre, votre présentation a suscité beaucoup d'intérêt. Ça prouve que c'est dans, dans la bonne voie. Maintenant, on va passer le micro pour répondre aux questions. Merci. Par rapport donc à la première question, je, je considère que euh, bon, j'ai en quelque sorte répondu parce que nous avons dit qu'il euh, y, y avait une défaillance en termes de collecte des données et nous n'avons pas de base de données proprement dite. Et ce système nous a permis justement de mettre en place une base de données de l'alimenter. Euh, concernant, euh, donc, mais, bon, j'ai cité un peu une limite par rapport à ça. C'est euh, concernant les localités qui ne sont pas fortement couvertes euh, par les réseaux, euh, les réseaux Internet. Donc, euh, mais euh, ceci, euh, bon, les, les smartphones, vous pouvez enregistrer les, les données. Et une fois que vous êtes dans une zone euh, fortement couverte, vous envoyez des données euh, et, et elles, elles seront enregistrées. Comment contrôler la qualité au niveau régional Bon, il y a plusieurs formes de contrôle de qualité. Il y a le contrôle euh, mécanique, c'est que euh, le, le, le directeur régional a une base de données euh, avec une liste sur papier des localités, avec des rapports qui sont faits régulièrement par les comités, par exemple, et par les coordonnateurs. Et c'est de cette façon qu'il va euh, vérifier et les données qui sont fournies euh, par les, les facilitateurs et le coordonnateur. Donc, pour compiler les données à la fois qui sont déjà euh, les tra euh, les tracées dans le, de, de, des rapports et celles qui sont communiquées dans, euh, par le système. <coughs> euh, je je n'ai pas, pas voulu être euh, ratité large par rapport. À la TPC, et j'ai considéré que bon, ce que je dois présenter, c'est seulement quelques euh, slides concernant le, euh, le système flow, ACFLO. La TPC, euh, donc, euh, comment on mesure les progrès On mesure les progrès euh, on a euh, des données qu'on qu qu compile grâce à la base, à ce système chaque euh, trimestre, chaque trimestre, au niveau régional, et puis au niveau central, chaque semestre. Et c'est là, grâce à ça, chaque fin d'année, nous, nous faisons notre rapport euh, d'évaluation pour mesurer notre progrès. Et donc, euh, les différentes données, il y a aussi des données qui sont euh, mesurables facilement à, au niveau de, euh, des régions et qui sont euh, rapportées au niveau central euh, euh, aux besoins, sur, sur demande du niveau central. Donc euh, ceci, je pense, nous permet d'avoir une visibilité sur l'évolution et sur euh, le, le progrès que nous avons réalisé pour euh, la TPS. Je n'ai pas donné des, 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 des taux de réalisation par rapport à la TPC. J'en ai, ai pas mal, mais de, de, de chiffres, des taux qui sont... On a à peu près... Quand on parle des localités FDAL, on veut certifier FDAL. Ça, je n'ai pas mis ça, mais c'est des localités certifiées FDAL. Donc ce sont des localités qui sont certifiées FDAL. Et, et, et là, bon, par rapport à... Au progrès de la TPC en, en Mauritanie, je pense que que ce soit au niveau de, régional ou au niveau hum, de, euh, de la sous-région, on considère que la Mauritanie a fait un, un, un grand progrès dans la TPC et que euh, si on poursuit euh, notre rythme actuellement, on pourra atteindre notre objectif avant le délai qui est imparti. Euh, bon, euh, je peux donner un chiffre. Par exemple, on considère que déjà 52% de la population concernée sont déjà euh, touchés par la TPC et euh, sont dans des localités certifiées et Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour la clarté, pour euh, toutes ces réponses. On va donc applaudir euh, Monsieur Hidari, si présent pour sa présentation. Et euh, maintenant, on va, on va aller en Ouganda. C'est un très beau pays. Je vous, je vous conseille de, de, de le visiter et euh, on va voir euh, Madame euh, Trina Kiomugisha, qui va nous présenter euh, le cas de l'Ouganda sur un pilote, un pilote qu'ils ont euh, mis en place pour le suivi de l'indicateur 6.2 des ODD. So Five minutes to present. I hope we're going to keep the time. Thank you. Thank you, moderator. Um, thank you. I'm from Uganda, a beautiful country. You. <laughs> You're most welcome. <laughs> thank you. Um, that's my name. I'm from Ministry of Water and Environment. It is is a government institution. And uh, we, we happen to be one of the countries that were, were piloted the SDG 6.2. Uh, in addition, the Philippines, Peru, and uh, Netherlands, and Senegal. Uh, we, uh, this presentation is mainly going to focus on Indicator 6.2.1, uh, being the most hardest because the rest of the indicators we've been more or less working on them, but this is mainly on safely managed. Which is a little bit complicated, and uh, I would not, I won't say that I have serious, uh, uh, serious systems as were being presented, but uh, we'll put our heads together to see how we can push this indicator forward. Um, this is information that may be known to most of you. Uh, six point two is all about sanitation and hygiene, and uh, six 2.1 is all about safely managed sanitation services this is linked to 6.3.1 because the safely managed is from the collection transportation and disposal to a certain extent reuse and what has been treated needs to be also in a good And safe uh, quality to go into the environment. Now that's 6.3.1. Then, and what goes into the water bodies, 6.3.2. Uh, we had several uh, committees that were looking at different indicators and how we can do the monitoring. Uh, we've done, we had a partnership with uh, an international consultant who was hired by JMP. and uh, un water to come and uh, see how workable uh, this uh, indicator is in the country and uh, we tested uh, tools which were really huge big <laughs> and uh, uh they, 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 we got reports and we realized that this is workable but now much as it's workable how do we take it on as a country to make sure that we do the monitoring in line with sdg so we had to get other partners on board and uh, going through the discussions several discussions and we realized that we need to change our indicators the indicators were more o less just looking at percentages of sanitation coverage those are the sanitation facilities in a country but now we have to look further downstream on the chain along the chain. Uh, we had several discussions with uh, uh, civil society organizations, our uh, parastatals and development partners and agreed on the indicators which i'll show you later. Um, those are the indicators we developed as a country together with our partners. Uh, percentage using improved sanitation facilities not shared as sdgs asking for because for us uganda we've always, we had a lot of uh, facilities that are being shared, and uh, we've always reported that we are like 86 or 84.6% coverage, but in actual sense, GMP puts us at like 38%, and people would be wondering, what's wrong with you? So we had to change according to, to GMP as well. Then uh, percentage of population using safely managed sanitation services, by looking at, uh, there's no contact between the, the fecal matter and the human and the environment along the chain. Then, um, percentage of population practicing open defecation also to come out clearly. Then, uh, percentage of population using hand washing with soap and uh, pupils enrolled in schools with soap. In addition to that, we also had pupils' stance ratio uh, as one of the uh, indicators, which I've not put here. Uh, we had to more or less start from scratch and uh, uh, try to revise our survey tools so that we are able to have the indicators incorporated. And trust me, this was not an easy task uh, because for you to be sure that what has, if, if I've constructed my toilet and there is no contact with feces and there's no OD around the toilet and someone who has come to, to, to empty, we have 90% of on site in Uganda. We'll have to drop it to the right place, and where it is being dropped, it is also being uh, properly treated, and what is effluent is also being, it's, it was not easy. And the uh, districts, uh, we are using districts, so we had to, we, we've always sent these tools to the districts, that's the local, uh, lower level councils uh, who, who fill in and send them back to us and uh, they've been doing it as a routine. so now we had to send a new tool that is even having more complicated stories. so we, we did that. We, we, we tried to engage with districts and see how they can bring in. and then they send through mails. then we had to get a number of uh, officers to sit down and pick information from this data and do the analysis through excel sheet. That's why I was telling you it's not as fancy as the systems of phones and all that. Uh, those are the kinds of, 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 of sheets, we, of the forms we send out and, and receive back. Uh, what are the findings? Uh, access to sanitation facilities improved originally. Okay, now we, we tried to see, to, to analyze, and also get our usual. percentage so that in our reporting we are able to at least inform the stakeholders out there why we have declined from the so called 80 something to the so called 30 something so the questions don't keep coming up so our access with both improved and improved both shared and shared was about 87.4 that is for urban. Rural was about 70 something which are Uh, we can always get online we have uh, every year uh, sector performance report that we we develop with this kind of information then the percentage of shared was at 36.3 and in kampala it's even worse because most of the facilities in kampala are shared and it's at 14 then uh, safely managed in small towns now you can see it's now 26. .3 percent and in kampala it's about 58 this is because over 80 of all the sespol emptyers that do emptying are located in kampala they are not outside the the, the city so that's why it's a bit being safely managed but out there people will light you that they're coming from many kilometers and come to empty in kampala and end up definitely emptying in the bush Uh, percentage of practicing open opendification is a 12.6 then hand washing is in 39.6 and 14 Kampala. what are the challenges the process is really tedious and of course we need to get off the paper, paper, paper full uh, methods and uh, we need to further simplify the safely managed indicator which uh, we, these are the things we looked out for for us to see uh, what is safely managed and what is not we had uh, uh, functional improved sanitation facilities without OD around the toilet we also had to look at safe emptying and transportation by approved service provider then we also had to look at uh, a system for those that are connected to the sewer network without leakage. then uh, disposal of excreta in c2 that is more, more or less rural, where they do the, when the toilet fills up they bury there and then and and uh, shift to another location so non-compliance of this was rendered uh, safely, uh, not safely managed Um, we recommend that the sector should incorporate a web based uh, database and uh, we also need to simplify these parameters of safely, safely managed and uh, work with our uganda bureau of standards uh, so that uh, 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 on annual basis at least we have uh, the safely managed uh, indicator captured within their data just in case we don't uh, run, we don't keep running to the districts we can always access the data through our bureau of Stan of statistics Uh, way, way forward we are partnering with unicef after presenting our sector performance report uh, that was in around september uh, unicef came on board and uh, they are ready to they are ready to work with us to develop a, an online monitoring system probably in the next africa sun we may present something <laughs> smarter Uh, then uh, of course uh, we, we have a number of uh, csos civil society organizations and uh, they are ready to work with us and in, and we also uh, try as much as possible to share the data collection tools so that we speak the same language when they go down and they are collecting data and we need to use it we use uh, similar uh, information we, they are headed by uh, uganda weten sanitation network uh, who coordinates all of them then of course a uh, committee to look before we develop the system as we develop the system we need to simplify the indicator and see what kind of questions that can capture the other non compliance list that can capture it into the system and we have a committee of different partners uh, giz water for people uh, national Water and Sewerage Corporation, that's a utility management uh, uh, agency Kampala city council usnet Uh, that is Sanitation for Health, Ministry of Health. We are quite a number and we usually meet at our National Sanitation Working Group to discuss some of these country led sanitation issues. And of course, work with our Bureau of Statistics Agency. Uh, thank you. Cool. Merci beaucoup, uh, Thank you very much for this presentation. Comme vous avez vu, en fait, là, c'est euh, une autre présentation qui nous montre l'importance. Là, j'ai noté, par exemple, des dénominateurs quand on parle des, des indicateurs. Euh, les chiffres ne valent rien si on ne sait pas ce qui est dans, dans le dénominateur. Ça, c'est vraiment très, très important et c'est ressorti assez clairement dans sa présentation. Et aussi euh, l'utilisation de la technologie pour, pour faire mieux ce qu'on fait. Mais c'est déjà bien d'utiliser des modèles, même s'ils sont faits à la main. Le, la technologie ne nous per, nous permettra que de faire plus, plus, plus rapidement et avec plus de précision. Euh, merci beaucoup. Donc, on va faire comme pour les autres présentations avec une série de questions sur trois petites minutes euh, pour trier avant de continuer. Trina, merci beaucoup uh, pour votre présentation. Um, I am Fiona Gore from WHO and the Wash team, and we're actually um, co-custodian of several indicators on SDG 6. And um, I, my question is about whether you considered, because I actually didn't see it on your slide, um, the means of implementation targets on 6a and 6b. So thank you very much. Merci. Une autre question for euh, Trina. Before I pass the floor, if there are no other questions, I'll pass the floor to suite Uh, just a clarification uh, about your question, please. can you rephrase a bit? Um, so, go, trina, the slide w that you showed on the framework and um, the landscape of sdg 6 was 6-1 six to 6-6. Six six, i was wondering if, um, as part of the case study and the work you did, and um, the pilot with un water, if you'd considered the targets um, on the means of implementation, indicators 6a and 6b. thank you. thank you. Um, y a pas no? yes, thank you. Uh, Yes, we, we, we considered it. Just I did not display it. Uh, we had uh, uh, different people working on different indicators uh, for, for this, right from the, um, from 6.1, two, three up to the end and ALB. So it was considered. Yeah. Thank you very much. Euh, merci beaucoup. Donc, on a, euh, comme vous avez remarqué, on a vraiment, la session était très, très très intéressante, et c'est l'une des raisons pour laquelle on a débordé un tout petit peu sur notre temps. Et euh, donc, on avait prévu un, un, un panel tout à l'heure pour les questions, mais je ne sais pas si on aura euh, euh, ce panel-là comme prévu du fait qu'il y a d'autres sessions qui vont. Euh, en fait, il y a la session des awards qui va qui va commencer bientôt. Et euh, mais par contre, ce que je, ce que je proposerais ici, c'est peut-être euh, de, euh, de donner euh, la parole à, à, à Kelly, qui est ici avec nous, qui est la, la, la directrice globale de l'UNICEF WASH euh, au niveau, euh, au niveau glo 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 global, donc Kelly, donc il pourra partager avec nous une perspective beaucoup plus globale sur, sur, par rapport à ceci. Ensuite, s'il nous reste du temps, on va laisser euh, des questions à, à, à Kelly ou à, alors à, aux autres membres des personnes qui ont présenté. Je suis désolé, on ne pourra plus faire euh, le panel comme on avait prévu. Quelques applaudissements pour Kelly. <laughs> Il faut peut-être euh, gagner la place. Pas <laughs> Bon, merci, merci beaucoup. à tous. c'était une séance extrêmement enrichissante. Euh, et euh, donc, j'avais juste voulu peut-être partager juste quelques perspectives parce que, comme Ruben avait dit, en UNICEF, on est très impliqué dans le, le système de suivi à tous les niveaux niveau de le niveau vraiment de base communautaire au niveau décentralisé au niveau des systèmes nationaux au niveau régional avec le on avait participé avec les 39 pays qui ont fait le NGOR. Uh, ligne de base uh, et aussi au niveau global, uh, UNICEF et OMS, comme Fiona avait dit, uh, sont les co-custodians de uh, ODD 6.1 et 6.2. Donc, on voit le suivi de la base jusqu'au uh, jusqu bout. Um, et je pense qu'on voit le système de suivi vraiment comme le système. Nouveau, euh, le système central nerveux, le, le, le centre des nerfs, un peu tout ce qu'on touche dans toutes les extrémités, les pieds les, les doigts qui doivent envoyer les informations au, au cerveau et donc c'est vraiment quelque chose de très important pour la prise des, des décisions euh, qui sont vraiment basées sur les évidences, euh, peut-être juste les perspectives sur les ODD je pense qu'il y a deux points qui sont extrêmement important pour le suivi et la première, je pense que c'était touché dans les présentations de la Mauritanie sur les questions des inéquités. Donc, euh, les systèmes de suivi vraiment nous permettent euh, d'avoir les données désagrégées qui peuvent nous permettre d'identifier où sont les lacunes euh, dans euh, l'accès et comment on atteint euh, la population qui est non, non servie. Euh, le deuxième partie, c'était très bien capté dans les présentations euh, du Uganda sur la question le suivi, euh, de le gérer en toute sécurité. Euh, parce que il y a tout un nouveau euh, nombre des, des, des indicateurs qui sont liés à la chaîne de gestion euh, des excréteurs. Ce n'est pas seulement accès, mais jusqu'au le, le, uh, le traitement et l'utilisation finale. Um, donc, uh, tout ça, il faut absolument uh, prendre en compte pour, uh, pour pouvoir uh, suivre um, le progrès sur les ODD. Um, je pense qu'une dernière point, uh, parce que je suis entre vous et le déjeuner, donc uh, je ne vais pas vous, vous garder trop longtemps, um, c'est juste peut-être pour insister sur un point que Kajo avait soulevé dans sa présentation. So, progressivement, on est en train d'avoir les données sur comment coûte un bon système euh, de suivi dans un pays. Et donc, euh, je pense qu'un des raisons que souvent on n'a pas les systèmes suffisamment robustes, c'est parce que nous n'avons pas euh, les ressources suffisantes euh, pour le faire. Mais quand on voit tout le, le montant la quantité d'argent qui est investi dans les ouvrages et après on investit très peu euh, dans les systèmes de suivi. Euh, on risque de n'avoir pas finalement le résultat attendu en termes de le service euh, que nous voudrions de ces systèmes. Donc euh, une des perspectives je pense que je peux vous laissez aujourd'hui, c'est que nous devrons vraiment, autant qu'un secteur, travailler ensemble pour avoir les bonnes orientations sur combien coûte un bon système de suivi euh, et de travailler ensemble pour s'assurer qu'on déclenche le financement nécessaire pour euh, investir dans les systèmes à tous les niveaux, décentraliser juste le système euh, euh, au niveau national pour pouvoir répondre à ces exigences des Européens. D'aider. Donc, euh, dans tous les cas, euh, merci beaucoup euh, à tous euh, et euh, je passe euh, la parole à, à le, le modérateur de la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, Kelly. Nous sommes presque à la fin, mais avant euh, de partir, il faut déjà reconnaître le travail fait par IRC euh, pour, pour organiser tout, toutes ces sessions-ci. Et nous avons euh, ici Nick qui est la cheville, le cheville ouvrière de, de tout ce travail, qui a permis que ça se passe. Et euh, juste un point par rapport à, à, à ça, j'aimerais demander, Nick, il, il a travaillé avec tous ces pays sur les, les Costes Action Plan, comme, comme nous avons vu, et je voudrais lui demander euh, ce qu'il ferait différemment, maintenant qu'il a entendu euh, tout, toutes ces présentations. Nick. Alors, en fait, on avait montré que, un des défis, c'est la diversité de, de, de tous ces pays et qu'on a besoin d'une autre approche dans chaque pays. En fait, ce n'est pas un défi, je crois que c'est le contexte. Et on a des outils pour travailler dans des contextes euh, divers. Il faut simplement travailler de manière où on, on, on construit sur les choses qui sont déjà là, au lieu de remplacer les systèmes avec un nouveau système, une nouvelle base de données ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a commencé ces processus participatifs avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas comprendre ce système complexe avec toutes ces différentes composantes sans avoir toutes les idées au commencement. Naturellement, après, quand on travaille sur un plan d'action, ça peut être en groupe un peu plus petit. Euh, mais en tout cas, je crois que j'aimerais dire que en fait, c'était important qu'on ait utilisé des outils qui viennent même de, de la santé. Qui, qui, ils étaient utilisés pour le SIDA et on a adapté ça pour Wash et c'était très utile parce qu'ils ont eu aussi ces, ces mêmes expériences. Alors, mais j'aimerais simplement dire pour alors IRC a organisé le sous-thème sur le suivi et l'utilisation des, des évidences et on a encore six sessions qui vont parler de tous ces différents thèmes, thèmes euh, divers et je pense que ça va être très intéressant. On, a de, on va parler des indicateurs, par exemple, et la recherche sur euh, euh, les inégalités, voilà, comment comprendre l'accès, euh, mais en termes un peu plus spécifiques, qui sont les vul, vul, vulnérables et comment est-ce qu'on va mesurer ça pour les ODD. Ça, c'est cet après-midi. Euh, déjà, euh, alors, attends, c'est euh, deux heures et demie ici, Measuring the Last Mile. Et demain, nous avons uh, Wash in Schools. Alors, ça, c'est uh, uh, aussi avec l'appui de JMP et avec uh, l'appui de GIZ. Ils vont présenter voilà, sur aussi les, 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 les développements récents sur comment en fait, uh, mesurer aussi uh, Wash in Schools. Uh, et je crois, oui, pardon pour le mélange des langues, mais... Uh <laughs> et après ça, à deux heures demain. Uh, nous avons une session qui parle vraiment du secteur privé avec uh, deux parties, uh, uh, les opérateurs uh, de uh, réseaux mobiles et il y a Container Based Sanitation Alliance. Alors ils vont toucher sur ce côté de aussi le traitement et toutes les données qu'on a besoin et en fait l'environnement qu'on a besoin pour... Uh, pour le secteur privé, parce qu'ils vont aussi jouer un rôle, ils vont aussi avoir des données uh, pendant qu'ils uh, font les opérations. Et finalement, le vendredi, nous avons quelque chose sur uh, Hy Hygiene Behavior Change. Je ne sais pas comment on dit ça en français. <laughs> et aussi. Uh, ok, genre, changement de comportement d'hygiène, merci beaucoup. Et, et aussi sur uh, le. Uh, Post-fédal uh, uh, monitoring, uh, je pense uh, suivi, et Je pense que ça va être très intéressant et encore um, uh, encore quelque chose sur comment une fois qu'on a par exemple tout la, la politique, une fois que la politique est alignée et il y a peut-être un mouvement comme en Inde, comment est-ce qu'on peut assurer que les données sont encore de bonne qualité Comment est-ce qu'on peut continuer d'apprendre quand tout le monde sait qu'on a besoin de d'avoir des bons résultats. Alors, ils vont donner des bons résultats, même s'ils ne sont pas là, euh, sur place. Alors, ça, c'est une session sur Rapid Action Learning. Alors, c'est en fait, comment est-ce qu'on peut trouver les évidences ou utiliser d'autres sources d'informations, pas seulement les sources qui se trouvent dans les bases de données, mais les sources, voilà, sur place. OK? Alors, c'est tout. <laughs> merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Nick. Donc, là, on arrive vraiment à la fin. Euh, de, 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 ce, de cette session de, de, de la série qui va continuer, comme le Nick, Nick disait euh, ce soir ici, demain et après-demain. Donc je vous invite vraiment à participer à, à, ce, à, à, tout, à tout le stream. Je voulais simplement, euh, pour finir, remercier Cadjo ici pour sa présentation, remercier euh, M. Weddadi, remercier euh, Trina pour leur très très bonne présentation et nous, 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 nous espérons que ça vous a appris quelque chose et que les échanges qui ont suivi étaient euh, profitables pour tout le monde. Merci beaucoup et bon appétit.